Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et je vais te parler du manga jusqu'à ce que nos os pourrissent. Le manga jusqu'à ce que nos os pourrissent, c'est un manga en 7 tomes des éditions Pika et c'est un seinen. Nous sommes sur une série qui est dans le genre suspense et drame. L'œuvre date de 2007 au Japon et de mai 2018 en France pour son premier tome, mai 2019 en France pour son dernier tome. Et la série est âge conseillé aux 14 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Yae Utsumi et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que dans l'ensemble, j'ai juste eu un méga coup de cœur pour l'intégralité. Je n'ai rien trouvé qui m'a déplu, soyons honnêtes. À part peut-être l'avant de la couverture solide, c'est un petit peu simple, mais c'est tout, honnêtement. Et en fait, la simplicité est plutôt sympa quand même et agréable. Donc au final, voilà. Quand on a, au niveau des couvertures, je vais te montrer ça en face table, je vais tout te montrer d'un coup et comme ça tu pourras voir. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait à l'avant on a les personnages, surtout pour les premiers volumes qui sont nus. Et ça permet en fait qu'ils sont mis à nu dans le genre, voilà, on voit vraiment tous deux, on découvre tous deux, on sait tous deux. Et j'ai vraiment apprécié ce petit côté là. Alors après peut-être que c'est pas le choix de l'auteur, etc. Mais j'ai quand même aimé ça. Ce que j'aime aussi c'est énormément, c'est la façon dont le titre est mis en carré de couleur, la couleur qui représente un peu la couverture et surtout tout en transparence. Donc on voit quand même le crâne par exemple à travers ça, j'ai beaucoup aimé. Le seul défaut que je te dirais au niveau de l'ensemble des couvertures, si on regarde vraiment les 5 dans l'ensemble, c'est qu'on n'a pas les deux garçons moins importants de l'histoire. On a vraiment, certes dans la série, c'est Shin et les deux filles les plus importants sur les 5, mais j'aurais aimé quand même qu'on les voit, même s'il y en a un des personnages, je pense que tu devineras duquel je parle, et ben je ne l'ai pas spécialement apprécié, ça c'est sûr, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Pour ce qui est de l'arrière, on a exactement la même présentation, la même façon de faire, le impact mortel décrit, le résumé, le nombre de volumes, 2 sur 7, 1 sur 7, etc. Je trouve ça sympa. Après, jeu de Pika, le code barre, je trouve ça plutôt simple et efficace. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve tout simplement avec pas grand chose, vu qu'on a juste le même carré qui est réutilisé avec le résumé, enfin les informations clés. Voilà. Ce que j'ai énormément aimé aussi, c'était qu'on était certes sur une écriture très basique au niveau du logo, enfin du nom du manga, mais qu'on avait les petits détails des dessins autour du Nozo que j'ai vraiment apprécié, le os qui est vraiment en rouge, ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie, ou d'une autre couleur disons, ça c'est vraiment apprécié. Après pour ce qui est de l'arrière, on a une petite illustration de tout le monde en groupe, je trouve ça sympa, je trouve ça mignon, et voilà. Quand on ouvre le manga, on a simplement la page basique avec juste le nom du manga en carré et les chapitres. Alors j'ai eu un petit peu du mal avec ce sommaire, avec des cases vides, des cases pleines, le monter de droite à gauche, etc. Enfin, on part de droite, on va jusqu'à gauche et de haut en bas, etc. J'étais un petit peu perdue, mais bon. Après c'est juste du petit détail. Donc en ce qui concerne le tome 2, on a la même entrée, la même façon de faire, on n'a pas de récap des personnages, c'est un petit peu dommage. Et donc on a une fois de plus pas de page entre chaque chapitre. C'est sympa, ça permet d'aller droit au but. Mais c'est vrai que le récap des personnages aurait été quand même utile, surtout pour une série comme ça avec un scénario vraiment très compliqué. Quand t'as un shoujo avec une histoire mignonne d'amour, de pas avoir vraiment le récap des personnages, je veux bien. Mais quand on est sur un seinen comme ça, suspense, drame, un petit récap, ça fait toujours du bien. Donc voilà la petite déception par rapport aux couvertures, mais c'est tout. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très simplement qu'on est sur quelque chose d'assez agréable. On a certes beaucoup de fond blanc, mais ça permet tout simplement de se concentrer vraiment sur le scénario qui est très important. Donc voici ma petite note. Pour ce qui est de mon avis sur la série, je t'avoue que donc le genre du manga est un peu, c'est pas vraiment un survival game, mais on est dans quelque chose de gore, de sinistre, de seinen, de flippant, suspense, drame. Tout ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est un titre en fait qui correspondrait tout à fait à la collection pour le Halloween Manga Challenge. Je te remets toutes les infos en barre d'infos si tu ne connais pas encore, comme ça tu te prépares un petit peu en avance. Mais toujours est-il que donc j'avais juste une seule hâte, c'était de pouvoir lire cette série. Je n'avais pas fait d'extrait manga J'achète ou pas à l'époque de la sortie du premier tome, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de me laisser la surprise totale au niveau de cette série.
Et je dois t'avouer que je n'ai pas du tout été déçue à aucun moment. Alors certes, il y a certains passages que certains trouveront un petit peu faciles, où on peut deviner quelques petits passages, mais j'ai vraiment adoré l'ensemble de cette série, le dénouement de l'histoire et tout ce qui en fait cette œuvre, que ce soit du premier volume au septième volume. Je n'ai jamais été déçue à aucun moment de ma lecture et c'est ça qui fait la force de cette série. On a quelques scènes assez faciles, comme je l'ai dit, mais l'auteur a su utiliser cette facilité pour en faire une force et en faire quelque chose d'intéressant. On est sur quelque chose et un manga qui est plutôt pas mal et qui permet quand même de faire réfléchir les plus jeunes par rapport justement aux conséquences de leurs actes, comme se dire que avoir tué une personne, ce n'est pas très grave, surtout si c'était une personne mauvaise. Enfin, quand on tue quelqu'un, ça reste un acte criminel et donc il faut forcément être puni. Et malheureusement, même si la personne aurait mérité sa mort, j'ai trouvé ça plutôt sympa, surtout la fin du volume 7, la façon dont l'auteur a travaillé et a fini cette œuvre, qui a fait que j'ai vraiment apprécié. Je dois t'avouer que lors de la lecture du tome 6, je vais juste te donner un petit détail, j'ai cru que la série allait s'arrêter au niveau de la lecture du tome 6 et que le tome 7 allait être en fait un tome bonus. Et j'étais agréablement surprise de voir que non, on ne s'arrêtait pas au tome 6 et que le tome 7 était bien la fin totale de la série, pas du bonus en soi. Donc voilà. Pour ce qui est de mon avis sur la série, on est sur quelque chose de génial. L'idée est sympa parce qu'on n'a pas vu beaucoup ça au niveau justement du scénario. On a quelque chose d'agréable. Le caractère, la relation des personnages est super bien géré. Et le développement de l'histoire est parfaitement abouti. Donc j'ai juste eu un méga coup de cœur pour cette série. Enfin, j'hésite entre méga et giga coup de cœur honnêtement. Mais je pense que c'est plus un giga, soyons honnêtes. Car j'ai vraiment surkiffé cette œuvre. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire si c'est un manga qui t'intéressait ou pas. Je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le résumé du manga ainsi que son classement pour le Halloween Manga Challenge pour savoir sa catégorie. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas les vidéos des éditions Pika, les deux précédentes sur la chaîne, et t'abonner sur ma tête de Banda si ce n'est toujours pas fait. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!